Yo les gars, tout le monde, c'est Chasseur. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo les gars sur Fortnite Pay Game les gars. Comment ça mon ref? Comment avoir un compteur d'abonnés en direct les gars pour vos lives YouTube. En tout cas les gars, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas le plus gros pouce bleu les gars. On s'abonne les gars avec la cloche de notification, ça fait plaisir. Voilà, on n'oublie pas, on est en route vers les 5000 abonnés. Les gars, n'oubliez pas aussi, code CSR comme là trop les gars, vous mettez en bas à droite. Soutenir un créateur CSR en majuscule, en minuscule, on s'en fiche, à accepter. Voilà, voilà, j'aime bien. J'aime bien. Et voilà, c'est parti, on est carré, on peut passer au tuto les gars, let's go. Alors du coup les gars, pour cette vidéo les gars, donc ce tuto les gars, il est réalisable que pour les personnes qui utilisent un PC. Ok, donc pour les PS4, pour les PS5 les gars, pour vos lives, vous pourrez pas faire ça malheureusement. Ce tuto les gars, il m'a été demandé et ça va être que disponible pour les personnes qui utilisent un PC, donc qui font des lives sur OBS, Streamlabs ou même d'autres plateformes de streaming les gars, mais après j'en connais pas d'autres qui sont populaires. Donc voilà, du coup nous les gars, on va faire ça avec OBS. C'est parti, let's go. On va se rendre directement sur Google. Ok, donc une fois que vous êtes sur Google les gars, vous allez marquer YouTube les gars. Ok, donc nous on va aller sur YouTube, hop. Voilà, donc nous les gars, on est sur YouTube, on est sur notre chaîne principale. Voilà, donc notre chaîne elle est bien drôle, voilà, tout ça, tout ça. Ok, ça on s'en fiche un peu. Nous ce qu'on va faire les gars, on va faire personnaliser la chaîne. Ok. Une fois que vous avez dans personnaliser la chaîne, vous verrez en bas à droite les gars, il n'y a pas écrit le truc pour les compteurs d'abonnés. Nous ce qu'on va faire les gars, c'est qu'on va aller l'ajouter. Alors pour ce faire les gars, vous allez marquer Social Blade Extension. Voilà, comme ça l'équipe, et vous allez marquer, vous allez taper sur le premier truc. Et là vous allez faire ajouter à Chrome. Voilà, donc moi les gars, je l'ai supprimé avant que de faire le tuto pour que je fasse le tuto avec vous. Donc les gars, ici vous allez faire create one for free. Voilà, donc il va falloir juste un mail. Voilà, il va falloir aussi un mot de passe. Et après en pseudo vous pouvez mettre ce que vous voulez. Enfin il y a un prénom ou un nom, vous mettez ce que vous voulez. Moi j'ai mis tuto. Donc du coup les gars, on se retrouve directement une fois que j'ai réussi à me connecter. C'est parti, let's go. Vous allez vous rendre directement ici là, vous allez juste faire un petit refresh, voilà. Donc vous allez refresh la page en haut à gauche et là vous aurez écrit live subscriber count. Ok, donc là on va cliquer dessus et on va appuyer sur streamer mode. Ok, donc là les gars vous aurez directement le streamer mode qui sera activé avec un petit fond vert, etc. Donc là on est content. Vous allez vous rendre directement sur OBS et vous allez ajouter une source. Donc la source elle va s'appeler capture de fenêtre. Ici vous pourrez marquer compteur d'abonnés. Voilà, donc si je vais un peu trop vite les gars, vous pouvez me mettre en pause, etc. Voilà. Donc ici nous on fait donc là on se met en Windows 10, voilà. Le nom de la fenêtre doit correspondre. Capturer le curseur, nous on s'en fiche. Et ici après on s'en fiche aussi, on va juste laisser ça comme ça. Et puis voilà. Ici vous mettez OK. Maintenant qu'on a fait ça les gars, vous allez appuyer longtemps sur votre touche Alt pour redimensionner la capture de la fenêtre. Donc nous on va prendre juste. Juste les chiffres hein, les gars, on s'en fiche des lettres, etc. Donc on va faire comme ça et voilà. Une fois que c'est fait, vous allez faire un clic droit donc sur la source qu'on a créé. Vous allez faire filtre, vous allez faire plus en bas à gauche là et vous allez appuyer mettre incrustation par chrominance chroma key. Vous allez faire OK et voilà. Donc là vous verrez que ici c'est en noir. Ok, non on veut pas que ça soit en noir. On veut l'avoir en blanc comme mes lives. Donc du coup vous allez aller dans luminosité, vous allez mettre à fond. Ok, donc là vous aurez votre compteur d'abonnés directement directement d'afficher. Donc je sais pas, par exemple je vais le mettre ici les gars et vous verrez du coup le compteur d'abonnés, il y aura écrit 4210. Voilà, ici vous pourrez donc fermer le canard comme ça vous pourrez plus retoucher, vous pourrez plus sélectionner. Mais par contre si vous voulez le changer de place, et ben vous désactivez le cadenas. Par exemple vous mettez vers là on se fiche hein. On peut mettre comme ça, etc, etc. Voilà, vous pouvez toujours redimensionner comme ça les gars la taille. Pareil vous pouvez toujours appuyer sur Alt, mais c'est juste qu'en fait bah ça va faire juste un gros paquet quoi. Surtout si vous avez le truc comme ça, on s'en fiche un peu de l'avoir comme ça quoi, vous voyez. Donc nous on voulait juste l'élément comme ça les gars. Et puis voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, c'est le cas. Et si elle vous a aidé, bah, n'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu. Et puis voilà, sur ce, les refs, c'était Chasseur. On se retrouve à la prochaine pour une prochaine vidéo. Je vous aime. Peace.